I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Après avoir lampé 10 tonnes de bière, un nain rond, ça titube, mais un incube, c'est quoi donc? Au fait, est-ce que je peux intégrer votre équipage? Ouais, bien sûr. Who takes the Pandorica, takes the universe. Vous quatre vieillards, vous êtes banni à vie d'horizon à quoi? Et maintenant sur Resto Geek, tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Et bonjour à tous et bienvenue sur TARDIS. Qu'est-ce que ça faisait longtemps? J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas fait de TARDIS, mais je crois que c'est parce qu'on a fait deux Burger Games qui se sont succédés. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Et avec moi, on va commencer par présenter pour une fois Stalas. Bonjour Stalas. Bonsoir et bonjour à tous. Et Nighties. Salut, salut, bonsoir, bon app. Voilà. Bonne nuit. Non, bonne nuit, je dirai à la fin. Dormez pas. Et je suis à la fin de l'émission, ça. Voilà. Et je suis moi-même Tipo, votre présentateur de Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Alors, ça faisait longtemps et on a quelques bonnes séries aujourd'hui à parler. Je pense qu'on a que des bonnes séries, hein, pour une fois. Oui. Comme d'habitude. Oh, il y a des fois, c'est un peu moins bien, etc. Mais là, je trouve qu'on a vraiment que des bonnes séries. Je ne parle que de bonnes séries. Ah, quoique moi, je mettrais un petit peu plus de nuance sur la mienne. Bref. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? En premier, Stalas va nous parler de Fruit Basket, un animé, de Natsuki Takaya. Je crois que j'ai pas trop mal réussi pour une fois. Ensuite, Nighties nous parlera de Stranger Things, de Netflix, ouais. Hein, on connaît, au moins de nom. Je vous parlerai ensuite d'une série audio Mystère à Saint-Jacques de French Nerd, et écrit par François Descrac, enfin écrit, on reviendra dessus. Et on terminera sur deux web-séries qui se sont terminées cet été, là, à la Japan Expo, et qui sont sorties il y a très peu longtemps du coup sur YouTube, à savoir la saison 9 de Noob. Pourquoi j'ai eu un doute, je sais pas pourquoi, de Olydri et de la Flanders Company de je sais pas qui c'est à la base, mais maintenant c'est Olydri qui les diffuse, mais je sais plus qui. C'est la Flanders à la base, c'est ça. C'est ça. J'étais pas sûr. Voilà, donc un programme chargé. Je pense que normalement vous connaissez au moins 3 des noms. Voire 4, ouais, je pense. Des noms dont on vient vous parler. Vous les avez peut-être jamais regardés, vous avez peut-être jamais sauté le pas. On va peut-être essayer de vous faire sauter le pas aujourd'hui. Qui sait. Avant de commencer cette émission, il faut savoir que je vais parler d'un petit truc à côté encore. Avec Stalas et Nighties, on a parlé de faire possiblement une émission spéciale sur Stalas, tu me rappelles? Les adaptations. Voilà, sur les adaptations. Alors on choisirait chacun des 3 animateurs une adaptation sur laquelle on voudrait parler. Et possiblement on vous laissera le choix d'en choisir une. Et possiblement on va refaire peut-être des objectifs d'ici là. Vous les aurez peut-être quand l'émission sera sortie. Si on atteint certains objectifs, on fera l'émission en live, sinon on vous la fera enregistrée. Voilà. Sans plus tarder, on en reparlera à la fin et on va parler c'est tout de suite à Fruit Basket. Et c'est Stalas qui nous en parle. Alors bonsoir à tous. Alors effectivement, comme l'a dit Tipo, moi en animé de ce mois-ci, j'avais envie de vous parler d'un très vieux manga qui existe depuis qui est sorti il y a une vingtaine voire une trentaine d'années. C'est un des tout premiers mangas que j'ai lu, donc qui s'appelle Fruit Basket. Qui c'est pour ça que ça me disait un truc, c'est parce que c'est vieux. C'est vieux, ouais. J'ai lu quand j'étais au collège, ce soir. Ouais, mais c'est une vieille série. Elle est maintenant à la retraite, hein, donc. Ça fait très très loin, dis donc. Donc, c'est manga écrit et dessiné par Natsuki Takawa, comme a presque très bien dit Tipo tout à l'heure. Donc là, si j'en reparle, c'est parce qu'en fait, l'anime est refait depuis avril 2019. Donc là, on est dans la première saison, on commence le deuxième arc avec l'épisode 3 qui devrait sortir au moment où vous entendez ces mots. Les personnages principaux, on rencontre Toru Honda,
qui est l'héroïne, avec Kiyosoma et Yukisoma qui sont cousins, voilà, tout à fait. Et oui, tout à fait, c'est clair. Ça, tout est dans le nom. Alors, la petite histoire. Toru... Dans l'écran, tu deviens pas noir, s'il te plaît. Alors, l'histoire. Toru Honda, qui est devenue orpheline suite au décès tragique de ses deux parents, est obligée de vivre avec son grand-père, qui doit rénover sa maison pour pouvoir vivre avec une autre partie de sa famille. Donc du coup, Toru est obligée de vivre seule, et elle va vivre sous une tente jusqu'au jour où elle remarque que là où elle a planté sa tente est en réalité une propriété privée appartenant à la famille des Soma. Donc c'est là où elle rencontre trois Soma. Le premier on s'en moque un petit peu, qui sont Kiyosoma et Yukisoma, qui ont un secret en fait, comme quasiment toute la famille Soma, c'est que dans la famille Soma, il y a 12 personnes qui sont appelées les maudits et qui se transforment en leur animal du zodiaque chinois quand ils sont quand ils font un câlin au sexe opposé. Donc, par exemple, les hommes font un câlin à une femme, ils vont se transformer en animal, comme par exemple Yuki qui va se transformer en rat, ou Kyo qui va se transformer en chat. Mais Stalas, le chat n'est pas un animal du zodiaque. N'est pas un animal du zodiaque chinois. Eh ben non, mais regardez l'animé, vous apprendrez des trucs sur les signes du zodiaque. Ou lisez le manga, mais je parle de l'animé là. Donc le but de la série, vous l'avez compris, ça sera d'enquêter un petit peu sur ce phénomène étrange, et peut-être pour voir le délier. Et comme c'est dans un genre de manga, c'est un shoujo, ça va aussi, donc un manga pour jeune fille ou jeune adolescente, ça sera aussi beaucoup porté sur une histoire de cœur. Malheureusement, hein... C'est pas moi qui fais les codes. J'ai cru que t'allais dire autre chose. Exactement. Non. Non, j'ai dit shoujo, pas hentai. C'est pas la même. Le Wiki Stalas veut nous expliquer ce qu'est un hentai. Non. Y'a peut-être des jeunes qui écoutent. Tapez ça sur internet. Non, tapez pas ça. Ouais, non, vaut mieux l'explication de Wiki Stalas. Ça sera plus soft. Ah, on en fera peut-être une sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'un hentai? Alors, quelques petits points positifs sur cet animé. Alors, déjà, les dessins sont bien meilleurs que dans la série qui a été dans la série précédente. Ensuite, alors, en termes d'histoire, je me souviens plus beaucoup du manga, ça fait facilement 15 ans que je l'ai pas lu. Donc je me souviens plus trop de l'histoire, mais l'animé a l'air de plutôt bien coller au manga, papier. Ensuite, on a une adaptation qui... comme elle est récente, est aussi plus fluide, plus souple. On a un bon timing dans les différentes scènes, entre les scènes un peu shoujo, donc un petit peu romantique, gnangnan, kawaii. Ah, on parlait pas de la romantique. non. Non, pas du tout. Ouais, je vous disais aussi, c'est bizarre. Et puis surtout, cette histoire d'hommes et de femmes qui se transforment en leur animal du zodiaque chinois, c'est assez drôle. On a envie de savoir la suite, savoir comment ça va se terminer, comment ça va continuer. On entend des câlins, quoi. Oui. Ouais, mais non, ne fais pas de câlins. Merde, il va se transformer en rat. Je sais pas. Je crois que c'est ça. Il a déjà une tête après... de chouris, de toute façon. Ah, c'est pas faux. Laissez-moi faire ma chronique maintenant. Les petits points négatifs. Alors, juste un petit point négatif, c'est que comme en fait de base le manga est un shoujo, ça veut dire un manga pour adolescentes, le public qui est visé, c'est pas vraiment les gens comme moi. On s'en doutait pas du tout. Par exemple, moi, les histoires d'amour gnangnan cucula praline, en général, j'évite. Mais là, comme c'est assez bien dosé. Et qu'il y a un mystère qui traîne, qui est quand même très fort dans le manga, c'est pas encore trop grand point négatif. Par contre, je pense que ce manga va beaucoup plaire à notre public féminin. Oui, je parle aux deux personnes qui nous écoutent. Eh, j'en fais partie, hein. J'ai pas regardé la nouvelle saison, moi. Donc, ouais, ça pourra plus plaire à un public féminin, je pense. Mais c'est quand même un animé qui est assez beau à regarder.
Moi, je lui ai mis un petit 8 sur 10, donc ce qui est quand même pas mal. Et les deux points qui manquent, je pense que c'est surtout parce que c'est un genre shoujo. Voilà, un genre de manga pour petite fille. Pour petite fille. C'est mignon. Ouais, jeune fille, pardon. Petite fille, c'est les Sakura Capture Card, c'est trop bien. Dorimi Magique, etc. Ah. C'est trop bien. Bon, voilà. Mais ça, j'en parlerai pas. D'accord, bah merci. Quelque chose à rajouter sur Fruit Basket? Non, ça me donne envie de regarder la suite, du coup. Enfin, et vous pouvez regarder ça vous pouvez le regarder gratuitement sur Wakanim. Ça a l'air de pas être une suite, mais d'être un remaster. Ouais, c'est ça, un remaster. Mais du coup, ils vont reprendre la suite, parce que la première saison, c'est jamais fini en animé. Ah. Okay. Ouais, la première adaptation, c'est fini sur 26 épisodes, je crois. Ouais. Et ça finit pas l'histoire. Et le manga est quand même un peu plus long. Ok. Pas aussi long qu'One Piece ou Détective Conan. Non. C'est bon alors. Non. Heureusement. Bon, mais si on n'a plus rien à rajouter dessus, on va passer à la deuxième critique du jour, à savoir... C'est toi qui nous as fait entrer. Et maintenant... nous laisser ici. C'est pas logique tout ça. J'ai fermé le portail. Et s'il était jamais parti? Et si on l'avait enfermé ici avec nous? Il cherchera à s'agripper à quelqu'un. Un nouvel hôte. Ok, alors comme certains l'ont peut-être compris avec ce trailer, on va parler maintenant de Stranger Things, la troisième saison qui est sortie ce mois-ci. Il y a peut-être une semaine à peu près. La troisième saison qui fait suite aux deux premières, pas de nouvelle histoire. Bravo. Non mais... Excellent. Bravo. Non mais après deux saisons, on pouvait s'attendre peut-être à se trouver dans une autre ville, d'autres personnages, le même style, l'histoire, mais ailleurs, complètement. Sauf qu'on retrouve vraiment les mêmes personnages, la même ville, et une vraie suite aux deux premières saisons. Mais dis-moi, Lighties, qu'est-ce que Stranger Things, pour ceux qui n'auraient jamais regardé? Alors, pour ceux qui n'ont jamais regardé, Stranger Things, c'est une série du coup de Netflix, série américaine créée par les deux frères Brugger, il y a 3 ans. Donc on a 3 saisons pour l'instant, on est dans une ville américaine, typique des années 80, où il se passe pas grand-chose, et... C'est la base de l'histoire. Et je trouve qu'en fait, il y a un laboratoire secret pas très loin où ils mènent plusieurs expériences. Et une gamine, en short, on ne sait pas comment, avec des pouvoirs télékinésiques. Donc, c'est pas très original comme histoire pour l'instant, de ce qu'on sait. Après, l'univers années 80, énormément de références. Stephen King, Steven Spielberg, E.T., Terminator... etc, etc. La bande-son, toujours années 80. Dans la première saison, on a... quasiment... Emballe-moi ! Pardon. Non. Années 80, mais plutôt rock américain, style... Should I stay or should I gonna... Voilà. Ouais, les Stones. Donc ça, c'est un peu la bande-son de toute la première saison. Et on en retrouve d'autres très sympas. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Rapidement, on a Eleven, du coup, la gamine, qui s'est échappée du laboratoire. Qui va se faire accueillir par 4 garçons de son âge. Et ils vont l'aider à savoir pourquoi ses pouvoirs, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des monstres, etc. etc. Donc, si vous aimez l'ambiance années 80, un peu flippante, pas trop non plus, si vous aimez E.T., Spielberg en général, vous devriez aimer Stranger Things, et vous devriez regarder. La saison 1 est un peu lente à se mettre en place. Très sympa. La saison 2 est la meilleure à mon goût. La saison 3 est très bien, mais ils virent un peu à l'eau de rouge parce que bon, ils sont devenus ados, amoureux.
Donc, voilà quoi. C'est plus les gamins qui se déguisent en Ghostbusters pour Halloween, c'est plutôt les gamins qui ont des problèmes de couple en même temps qu'ils doivent battre des méchants. On est d'accord qu'on a perdu Nighties parce que tout à l'heure elle était en mode trop kawaii. Et là elle est, oh c'est chiant les histoires d'amour. Ah non, mais ouais, non, kawaii non, c'était pour le lore. Hein, moi, les histoires d'amour, c'est pas trop mon truc. Hein. À part un ou deux films cultes. Surtout sinon, que ça finit mal en général. En général. Les histoires d'amour finissent mal. Ok. Ouais, je me désolidarise de ça. Bon. Je suis plus là. Mais donc, non, sinon, à part ce petit souci d'amourette d'adolescente qui m'a un peu énervée, j'ai beaucoup aimé la troisième saison qui annonce une quatrième saison plutôt prometteuse aussi. Oh putain, ils vont récidiver. Ouais, il y a une quatrième saison en route. Enfin, quand tu vois la fin, il y a une quatrième saison en route. Forcément. Ah, t'as fini par voir la fin ? Ouais, j'ai fini par voir la fin. Parce que bon, chaque épisode dure 50 minutes et le dernier dure 1h15. Et là, tu fais... Il est déjà minuit ! Vais-je vraiment finir ? Et c'était hier soir, ça. Donc, c'est pour ça que je m'étonne qu'elle ait déjà vu la fin. Ok. Voilà. Mais donc, ouais. Je mettrais bien une petite note de 8 sur 10. Okay, parce que j'adore la série quand même, et à part le point négatif des Jamourettes. Franchement, c'est top. 8 sur 10 pour la saison 3, c'est pas mal. Ouais. Quelque chose à rajouter, Stalas ? Alors oui, Stranger Things est une série qu'on m'a énormément recommandée. Enfin, des amis à moi m'ont énormément dit « Oui, vas-y, regarde-la, t'aimes bien la science-fiction, tu vas kiffer. » Et non, ça m'a juste fait chier. Je me suis forcé comme un gros taré à regarder la saison 1. Pour vous dire, ça m'a pris 2 semaines à la regarder. Parce que j'arrivais pas à y mettre. En fait, si vous voulez, j'ai regardé les 3 premiers épisodes. J'ai fait, ok, dans l'épisode 4, il va se passer ça. Dans l'épisode 5, il va se passer ça. Dans l'épisode 6, il va se passer ça. J'ai chronométré toute la saison. Et à la fin de la saison, j'ai été zéro fois surpris. À part par le côté animation du monstre. Et du coup, ça m'a pas... Du coup, j'ai vu qu'il y avait une saison 2, j'ai fait... Non, merci, je suis plus là. Ouais, il y a plus de surprises dans les saisons suivantes. Puis j'aime bien l'humour en mode oh, il y a une guirlande de Noël qui s'allume pour faire un alphabet. Des magnettes qui tombent du frigo. Ouais, alors c'est vrai qu'en termes d'histoire, ça avait l'air d'être intéressant. C'est juste peut-être que si ça aurait été dès le début des adolescents qui se mettaient vraiment à fond dans le délire, j'aurais plus accroché. Mais là, c'est des gamins, j'ai l'impression. Il y en a un qui est intéressé parce qu'il y a une meuf, et les deux autres, ils s'en battent les couilles. Tu devrais tester la saison 2, franchement. Tu devrais tester les meufs, tu verrais. Non, je vais passer directement à la saison 3, apparemment, il y a du cul. Non, mais la saison 2, il y a une deuxième meuf. Ah, il y en a une deuxième. C'est ça, et saison 3, bah, il y en a deux autres. Mais à la fin, elle meurt. Non, je rigole. Bon. Spoiler. Je peux dire n'importe quoi, vu que j'ai pas vu, ça peut pas être un spoil. Ok, et bah dans ce cas-là, on va passer à la série audio. Alors, on va parler d'une série audio de French Nerd, le visiteur du futur. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite tout de suite à aller regarder le visiteur du futur. Vous mettez pause à cette émission-là, vous mettez pause. Vous allez regarder le premier épisode, même la saison 1 du visiteur du futur. Les 4 saisons. Non, regardez-moi la saison 1, après s'ils aiment pas, ils arrêteront. S'ils aiment, ils regarderont eux-mêmes. Ils vont pas s'arrêter. Et après, vous revenez écouter l'émission. Ok ? Et regardez aussi la théorie des balls. Oui, non, mais on va se calmer. Et le secret des balls. Voilà. Enfin, voilà. Et j'ai jamais su dire non, c'est la première chose. Voilà. On fera... ça peut être intéressant d'inviter l'équipe de French Nerd, mais quand on sera plus connu. Même sans être connu, moi je veux les rencontrer, il n'y a pas de problème. Complètement, oui. On fera oui, ça, oui. Mais après, quand on aura pris du level. On a déjà croisé un dans le métro, donc oui. Ok, bref, et donc on va parler d'une série audio qu'ils ont fait. Alors c'est un concept un peu spécial. En gros, ils ont fait une série audio qui s'appelle Mystère à Saint-Jacques, en Bretagne. C'est une série audio qui se passe en Bretagne. Et le concept est le suivant. François Descraques a écrit les trames principales de l'histoire. Donc il sait ce qui va se passer, comment ça va se dérouler, mais il n'a pas écrit les dialogues. Et il a invité ses amis, donc Florent Lorrain, etc. J'ai plutôt leur nom Mathieu Poli. Voilà. Raphaël Descraques, voilà. Et à venir, il leur a filé un rôle, et ils improvisent eux-mêmes, en fonction de ce que leur dit François Descraques, les dialogues de la scène. Donc on se retrouve avec une semi-impro, enfin un truc
semi-improvisé, parce qu'il y a quand même une trame principale, hein, quelque chose de semi-improvisé qui avance, donc les dialogues sont improvisés. Alors pour ceux qui seraient un petit peu curieux, je vais vous faire écouter le début de la série, et après je vous en parle un peu plus. Ouais, Cisco. Attends, d'abord C'était pas le début de la scène. Si, c'est juste que j'ai un bruitage pour ça. Attends. Ouais, Cisco, allô ? Oui, patron, oui. Ouais, écoute, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Alors, en fait, c'est pas que j'aimerais, c'est que je t'impose de faire quelque chose pour moi. Bah, pas de problème, c'est mon métier. Non, mais je sais qu'il y a pas de problème. D'abord, tu fermes ta gueule et tu me laisses finir ma phrase. D'accord, bah, je vous le dis tout de suite, y'a aucun souci. Ta gueule. D'accord, écoute-moi pas de problème. Bien. Oui. Cet enculé de gros Bob, il va falloir qu'on lui règle son compte. Ah oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire une bonne fois pour toutes. Oui, attends ! Hey, on m'a dit que ça sentait le raffut par ici. Mais dis donc, on vous a jamais appris d'attendre qu'on vous dise d'entrer avant d'entrer dans une porte, vous dites... Alors voilà à quoi ça ressemble. oui. Alors, il y a plusieurs trucs. Déjà, l'histoire. L'histoire, je vais parler d'histoire, l'histoire me plaît pas mal. En gros, ce qui se passe, c'est que... attendez, je suis un peu con, je prends pas mes notes. J'étais juste un peu... Donc, l'histoire. Flodric Balambois, fils du gérant du casino de Saint-Jacques-de-la-Mer, sa famille est au centre des affaires mafieuses dans la région. Et celui-ci doit encore faire ses preuves. Donc lui, c'est celui que vous avez entendu au début qui parle au téléphone, et qui parle en fait durant toute la scène. Et il va vouloir tuer, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais le gros Bob. Alors ensuite, on a l'adjudant Ronald Boulgour, qui est un jeune gendarme, nouveau membre de la section de la recherche de Dinan. Il a grandi à Saint-Jacques, il faisait des bêtises avec Flodrig et Maclou, dont je vais vous parler juste après. Et il revient de Paris, où il est devenu policier, gendarme, et où il est devenu aussi végétarien. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais en tout cas, c'est précisé plusieurs fois. Sûrement pour rigoler. Et enfin, Macloul Bihan, qui est un moniteur au club Mickey de Saint-Jacques, qui s'occupe des enfants, quoi. Sauf que les enfants ne les respectent pas. Au début, ils font des batailles de caca, enfin bon, voilà. Et ils retrouvent le corps inerte. Les gamins veulent souffler dans le petit bout pour regonfler la bouée, alors que c'est un corps. Enfin voilà. Je vous laisse imaginer le reste. Vous allez écouter, ce sera très drôle. Alors, voilà. Donc l'histoire, pour moi, est très très bien. Je vous ai à peu près raconté le speech, du coup. Ce qui va se passer après ça, c'est que Ronald Boulgour va enquêter, va se douter, c'est sûrement Flodrig, etc. Et je vous laisse aller écouter la suite. Donc l'histoire me plaît pas mal. Les scènes qui sont jouées me plaît pas mal. C'est vraiment, enfin, ils sont bons déjà. Ils sont bons impro, bons jeux d'acteur. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait vraiment un montage et pas le rush qui nous est donné brut comme ça. Parce qu'en fait, ce que vous avez entendu, c'est qu'on a le rush comme ils l'ont enregistré. Et donc, ce qui fait qu'on entend le détail de la scène avant la scène, on entend les moments où ils se ratent, etc. Alors certes, c'est sympa, c'est très drôle, mais dans un premier temps, j'aurais préféré découvrir l'histoire, en fait, avec tout ça épuré. Ça permettrait de pas sortir de l'histoire et de mettre en avant, en plus, leur talent d'improvisation, parce que tout est improvisé. Et je pense que ça donnerait tellement mieux. C'est le petit truc que je trouve dommage sur cette série, en fait. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, Nighties, vu que tu l'as écouté. Moi, j'ai trouvé ça sympa comme ça. Enfin, ça change des séries audio qu'on a l'habitude. Après, je me dis qu'ils feront peut-être un final en groupant toutes les scènes bien jouées peut-être de la saison. Ce serait bien. En tout cas, moi, je préférerais ça parce que, enfin, au niveau de l'histoire, c'est plus agréable à écouter. Là, c'est sympa pour faire un bêtisier, etc. Enfin, pour avoir les rushs comme ça. C'est sympa. Mais en tant que série improvisée, il pourrait aussi les couper, rajouter quelques boutages. D'ailleurs, il a dit qu'il en rajouterait. Je pense que c'est à la base ce qu'il voulait faire, d'après ce qu'il avait l'air de dire, et que finalement, il n'a pas fait, il a juste mis les rushs. Donc voilà. C'est pour ça que du coup, ma note sera un peu moins que ce que ça pourrait être. C'est 6 sur 10. 8 sur 10 pour l'histoire, on va dire. Mais 4 sur 10 pour le format, parce que je préférerais que ce soit découpé. Et donc, ça fait une moyenne de 6 sur 10. Voilà. Non. Ça fait 7 sur 10 en moyenne. Ah oui, bon, alors 5 sur 10, alors, sur... 7 Non, 5 sur 10 sur le format. Pourquoi ? Entre 4 okay, et 8, là, ça passe. Mais non, entre 4 et 8, ça fait bien 6, oui. Bah oui. Oui, mais... Mais t'as pas dit 4, t'as dit 6 et 8. 8 pour l'histoire et 6 pour la technique.
Ah, voilà. J'ai entendu 6. Bah, c'est parce que tu lisais mon note de 6 sur 10. Ok. Non. Non, je regardais même pas. Non, moi, je me permets juste d'intervenir. Moi, je trouve en fait que c'est assez... bon, déjà, c'est assez couillu de faire ça. Mais en plus, je trouve que ça colle bien avec les personnalités de Mathieu Bogy, ouais, les personnages, les Décrac et Dorin, qui ont beaucoup, qui préfèrent justement faire plus les trucs à l'impro, ce qui se voit bien dans leur soirée louge, ou dans leur jeux qu'ils ont fait leur aussi sur leur YouTube. Tout à fait, c'est ça ce que je pensais. Et puis même pour, par exemple, en parlant juste de Florent Dorin, c'est ça. Dorin. Écorche pas son nom, je te plaît, attention. Dorin qui a fait... Ah, c'est mon préféré, c'est un de mes préférés, ouais, en plus. Mais j'ai toujours été une mère pour retirer les noms. Mais du coup, il y a pas de problème. Qui a fait une qui a fait toute une chanson en improvisation en prenant juste les phrases en ayant juste les phrases prises un peu au hasard dans du comment on pourrait appeler ça. Micro-trottoir, peut-être. Ouais, je crois, c'est ça. Bon, en tout cas, on essaiera de vous mettre plein de liens dans les descriptions vers tout ça. Ouais, parce qu'ils ont fait plein de trucs et que ça, à chaque fois, c'est très, très drôle. Il y a une soirée louche, loup-garou, qui m'a marqué. Voilà. Oui, elle m'a marqué aussi. Enfin, voilà. Bah voilà, ça conclut ce Mystère à Saint-Lécu. Allez quand même écouter, parce que c'est quand même cool. Et CR Audio, je pense qu'on n'y écoute pas assez, alors que c'est un support qui est quand même... C'est un bon support. C'est un support qui... Et on est... Ça amène plus à l'imagination. Et on est... presque les seuls dans le monde à les faire en France. J'ai cherché en anglais des séries audio en anglais et il n'y a que des trucs faits par des radios en fait, donc des podcasts des radios comme nous on avait à l'époque. Mais il n'y a pas vraiment de communauté qui fait ça, contrairement à nous. Ouais, par contre c'est un format qui demande un peu quand même d'être concentré. Mmh. Oui. Ça dépend des trucs. Ça dépend ce que t'écoutes. Ça dépend, effectivement. Maintenant, si j'écoute Adopi Toxis ou Reflet d'Acide, j'ai tellement écouté que maintenant, j'ai besoin de... j'ai bien l'imagination en tête. Mais pour une nouvelle série, j'ai besoin quand même de... En tout cas, moi, j'ai besoin d'être... de me poser dedans. Comme pour un bouquin, quoi. Voilà, tout à fait. Bon, bah, dans ce cas-là, on va parler des deux grands qui sont sortis dernièrement. Enfin, les deux grands. Stranger Things est aussi un grand, mais bon. Les deux grandes web-séries. Ah merde, je pensais que vous parliez des deux grands basketteurs. Non. Non. Et du coup. Mais on n'est pas dans l'émission de basket. Non, on se calme avec l'animé. Tu t'es trompé de studio. Allez. Alors, et on va commencer tout de suite par écouter un petit bout de trailer de la série dans laquelle on va vous parler juste après. Horizon 1.0, un monde virtuel divisé en 3 factions. Un MMORPG impitoyable, où seuls les PGM atteignent le niveau 100. Mais un jour, cette règle, que tous pensaient immuable, s'est brisée. Salut, je me présente, je suis Sparadra. La pire guilde du serveur s'est retrouvée mêlée aux intrigues principales. 4 noobs ont été propulsés jusqu'au très haut niveau. Du coup, c'est le bordel. Viens par ici. Ok, alors on va vous parler de la première web-série qui est sortie à la Japan Expo, du coup, qui a sorti son épisode final à la Japan Expo, épisode final de la saison 9, et on va parler bien sûr de Noob. On va en parler en tandem avec Talas, comme de la prochaine web-série dont on va vous parler. Enfin, aussi en parler, j'ai... Ouais, on va en parler tous les trois en même temps, en fait. Je laisserai plus parler. Alors, j'aimerais juste rajouter que dans le trailer, si vous n'avez pas reconnu, ils ont quand même mis la musique, enfin un thème de la musique de la vieille série qui s'appelait Thierry Lafronde. Voilà. Je trouve ça génial d'avoir mis ça dessus. J'avais pas vu ce trailer. Je trouve ça juste génial. Voilà. Je vous laisse en parler. Enfin, je vous laisse présenter Noob, etc. Bon, alors juste une petite présentation de Noob, web série qui a démarré il y a très longtemps maintenant. J'ai pas la date exacte, mais ça fait une bonne dizaine d'années. Ah ouais, même plus, je pense. Même plus. On est facile, ouais, facile, 12 ans, 12 ans, 12 ou 13 ans, moi. Du coup, ouais, une web-série qui est sortie il y a longtemps, très amateur, qui maintenant a des gros moyens, ils ont même fait des films, ils ont été au Grand Rex. Donc, web-série qui parle d'un MMORPG, comme vous l'avez entendu dans le mini-trailer. On suit dans le MMO et en IRL. Wikisalash, peux-tu nous définir IRL? IRL. In real life, ce qui signifie en fait dans la vie réelle. Donc,
En parallèle à IG qui veut dire in-game, ce qui signifie dans le jeu. Merci Wiki Stanas. Et Wikitipo rajoutera que ça fait 11 ans que la websérie existe. Donc voilà, 11 ans de websérie, en mode MMO, en mode IRL, où on suit la pire guilde du jeu. Des noobs, plus simplement. Donc, un prêtre qui soigne les ennemis. Une mage qui prend trésor avant tout le monde, aucun esprit d'équipe, etc. etc. Donc, websérie très comique, qu'on adore suivre et qui a sorti son final, du coup, à la Japan Expo, final de la saison 9. Ouais. Et juste avant, ils ont quand même fait 5 saisons, 3 films qui se sont fait financer et qu'ils ont battu le record de financement d'Europe. C'est ça, ils vont sortir un RPG, il y a les BD, voilà. Les livres. Et ils ont fait leur saison 9 juste après les films. Les mangas. Qui se terminait à la Japan. C'est ça. Et on aura encore une nouvelle saison et un prochain film qui sont annoncés. Youpi! Du coup, je sais pas si t'as l'âge, tu veux nous parler d'épisodes ou autre chose? Ton avis? Ah, quoi? What? On en parle à plusieurs, alors à ton tour. Alors, je dis pas tout seul. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, je vais raconter peut-être d'histoire pour ceux qui connaissent. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, t'as fait un bon résumé. Moi, je vais peut-être plus me concentrer sur la saison 9. Alors, la sans saison 9. Sans trop de spoil, sinon les gens. Non, j'ai pas de spoil à faire. Ok, là, parfait. Parce que, bon, ça suit assez bien. Mais en gros, la saison 9, maintenant, l'épisode final a été le 20e de la saison. Il dure 25-28 minutes. Oui. Donc, ouais, quand même assez long. Ouais. Ce qui est assez... comment dirais-je on va minutes. Dire que... On va dire que... Merci. On va dire que les Fabien Fournier et Oli Dri, en général... font pas dans les épisodes qui ont la même durée. Non. Oui, c'est vrai. Ça, clairement, ils le font pas. Donc, la petite histoire de la saison 9. On voit l'arrivée de joueurs professionnels dans le monde d'Oli Dri, hein, qui est le monde de Noob. Enfin, le monde de... Oui, MMO, le monde de Noob. Joué dans Noob. Voilà. Le MMO qui s'appelle lui-même Horizon et qui a sa version 4.0. Et en fait, c'est l'arrivée de ces joueurs pro va semer la pagaille dans le classement des guildes parce qu'en fait, ils vont créer une guilde qui s'appelle Pro Game Master et qui a pour but en fait de devenir la guilde numéro 1 en plus d'écraser les anciennes guildes. Donc voilà, donc il y a deux grosses guildes dans ce jeu depuis le tout début, c'est la guilde Justice qui est du côté Empire et la guilde Roxor qui est du côté Coalition. Destruction. Deux... Coalition. Ouais. Destruction! Super. Les ennemis de l'Empire doivent périr! Ok, et maintenant l'ordre? Personne ne le connaît. Voilà. Et ça c'est... Non, c'est l'ordre est infini, l'ordre dominera Oli Dri. Bim! Wouah! Vous avez pas suivi la série, bande de noobs. Donc le but... le but de la... Dire, hein. Le but de la saison sera en fait de contrer la menace que sont les Pro Game Masters en unissant les guildes Justice et Roxor. Voilà. Alors, moi ce qui m'a bien plu dans cette saison, c'est en fait le début de la saison. Dans le début de la saison, on a 4 ou 5 épisodes, je crois, si je me souviens bien, qui s'appellent les Noob Rush, qui sont des épisodes de 5 minutes, comme étaient les épisodes de la première saison. Et où on retrouve un peu les débuts des noobs. C'est, ça veut dire des... un peu l'humour, un peu voilà, amateur. L'humour en fait de personnes qui savent pas jouer ou qu'on pourrait pas croire que c'est des vrais grands joueurs dans un MMORPG, quoi. Ça veut dire les gens qui vont se chamailler pour un oui ou pour un non, qui vont se tirer le crépier. Par exemple, on a Gaia qui est une des personnages principales. Dame Gaia! Qui va pour se faire un reroll, un druide, pour soigner. Et ce qu'elle dit, c'est, en résumé, elle dit, alors j'accepte de soigner, mais si on me paye. Ce qui est à l'encontre des personnages qui soignent habituellement. Oui, mais c'est bien son personnage à elle, par contre. Ouais, par contre, c'est bien son personnage à elle. Un trésor! Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Après, on est repassé, ils sont repassés très rapidement dans du pur. Dans ce qu'ils faisaient dans les précédentes saisons, ça veut dire des noobs un peu plus avec une histoire un peu plus construite. Bon, qui n'enlève pas l'humour, encore heureux. Mais je trouve en plus de ça qu'ils ont pris beaucoup de galons depuis la saison 1.
Bon, le matériel s'est beaucoup amélioré parce qu'ils ont effectivement eu plus de moyens. Ouais, ils utilisent le matériel des films qu'ils ont fait. Donc, voilà, donc ils ont bah, ça, c'est tout à leur honneur hein, de nous donner de plus en plus de qualité. Mais qualité qu'on ressent aussi dans le montage, dans les scènes, que je trouve de moins en moins lourdes. Il y a encore des scènes que je trouvais pas mal lourdes dans la saison 9, mais je les ressens moins que dans les précédentes saisons ou dans les films. Ouais, des fois, il y a quelques erreurs de filmage. Genre quand tu vois, lunettes noires et que tu vois les reflets. Tu vois le caméraman dans les lunettes, tout simplement, quoi. Voilà, je suis pas un grand expert, mais effectivement, il y a des petites erreurs comme ça. C'est de l'amateurisme. Enfin, c'est de l'amateurisme très poussé, mais ça reste de l'amateurisme. Et puis, il y a le jeu d'acteur aussi que je trouve de plus en plus poussé. Bon, j'ai pas les noms des acteurs parce que malheureusement, je retiens pas les noms. Vas-y, attends, donne le personnage, j'aurais peut-être le nom d'acteur. Bah, tous. Là, je pensais plus à Omegazelle et Gaïa, par exemple. Gaïa, c'est Anne-Laure Jarnet. Enfin, Anne-Laure Fournier, maintenant, je crois. Et Omegazelle ? Attends, j'ai un trou de mémoire. C'est pas très grave. Après, j'ai quelques points négatifs. Donc, mis à part les. Les scènes qui me paraissent un peu longues, je trouve qu'il y a un peu moins d'humour. Enfin, un petit peu moins d'humour dans beaucoup d'épisodes. Qu'il y a des épisodes, en fait, je les aurais coupés ou modifiés pour que ce soit un peu plus dans l'intrigue. Parce qu'il y a des épisodes, on rentre dedans, il n'y a pas beaucoup d'humour. Enfin, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'humour et que l'intrigue n'avançait pas trop. C'est le truc, c'est ce qu'ils disent toujours, c'est qu'ils font comme ils peuvent et ils avancent l'intrigue comme ils peuvent. Donc, avec les acteurs qui sont là. Non, mais ça, tout à fait. Je pense que c'est aussi lié à ça. Et ils ont eu des invités de marque aussi, donc ça aide pas à... Avec les invités de marque, ils ont quand même fait bien avancer l'intrigue. Ils ont fait bien avancer l'intrigue, mais ça aide pas à avoir avec le même humour que dans les autres épisodes. Non, mais du coup, il y avait l'intrigue pour contrebalancer. Sinon, j'ai retrouvé le nom. Omega Girl, après, c'est Julien Guélérin. Voilà. Merci. Mais du coup, et moi, j'ai trouvé l'épisode final très long. Enfin, 28 minutes, j'ai trouvé ça trop long. Je pense qu'une fois qu'ils avaient fini de tourner, ils auraient, je pense, plus le couper en 2-3 épisodes. Mais du coup, ils n'auraient pas pu présenter à Japan. Mais qui, bon, a au moins l'audace et le fair play d'annoncer une suite qui va, comme tu as dit, sortir soit en plusieurs films, soit en plusieurs saisons. Je ne sais pas trop, je n'ai pas suivi. Saison, je ne sais pas lequel sortira en premier. C'est juste ça. Bon, bah, on verra bien. Par contre, il y a le film qui sortira au Grand Rex en 2020 ou 2021, si je me souviens. Ouais, 2021, je crois. 2021, donc il y aura peut-être la saison en 2020, par contre, du coup, avant. Bah, on verra bien. Après, étant donné qu'ils ont mis à peu près 2 ou 3 ans, je crois, c'est ça, parce que le premier New Brush est sorti le 14 octobre 2016, donc ils ont mis à peu près 3 ans pour faire cette saison, est-ce qu'ils auront encore le temps pour faire une saison avant la sortie du film, c'est ça je ne sais pas, c'est à voir. Rendez-vous au Grand Rex hein, dans 2 ans. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est qu'en tout cas, c'est une très bonne série. Commencez par la saison 1, elle est plutôt humoristique. Et après, vous arrêtez pas la qualité, c'est plutôt à partir de... normal, c'est au tout début, c'est des amateurs encore une fois. C'est normal. Et l'humour le remplace la qualité. Oui. Tout à fait. Et puis, en plus de ça, je crois que c'est l'un des premiers à avoir voulu absolument faire de la web radio. La web radio, non, ça c'est nous. On n'est pas les premiers. Non, de la web-série, oui. En France, il y en avait un petit peu avant, mais c'est ceux qui ont lancé la mode. C'est eux qui ont lancé la mode avec Le Visiteur du Futur et des Kraken. Ouais, c'est ça. Alors moi, du coup, je vais juste revenir sur l'épisode final. Je trouve aussi un peu long, mais c'est surtout, en fait, je trouve qu'il ne fait pas avancer l'intrigue. Pour un épisode final, je trouve ça dommage pour une saison 2. Alors après, effectivement, si ça annonce le film, c'est pas trop mal. Mais pour un final, ça... En fait, c'est pas un final pour moi, c'est un début. C'est vraiment le seul truc qui me gêne là-dessus. Après, il reste bien, mais pour moi, c'est presque même un milieu de saison, en fait. Il y a la première. Ouais. Et, parce qu'on arrive vraiment sur « Ah, c'est ça qui s'est passé, pourquoi, etc. » Et maintenant, comment ils vont le résoudre? Parce qu'ils ont un gros problème quand même qui leur est arrivé dans l'épisode final, sans spoiler. Mais donc, pour moi, ça annonce un retour aux sources. Un retour à la saison 1 et 2. Aussi, ouais. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec Lipo, c'est vrai que le gros boom de l'épisode est annoncé au début de l'épisode et n'est présent après qu'au final. Et du coup, ça casse le délire. Enfin, ça. On l'a oublié en fait, c'est ça le truc. On l'a oublié, mais quand il réapparaît, on fait ah ouais, il fait ça. Bon,
Ok. C'est cool. Bon. Bon, on verra plus voilà. tard. Ouais, on saura que vous dire d'aller écouter, enfin, regarder Noobs tout de suite. Noob. Noob, sans pardon. on ne saura que vous conseiller d'aller regarder Noob sur YouTube, sur noobtv.com, aller voir tout ce qu'ils font, leur, tout ce qu'ils font à côté, les mangas, les. Enfin bref. Les livres sont très bien aussi. Voilà, voilà. Et enfin, maintenant. Attends, on n'a pas donné de notes. On n'a pas donné de notes, c'est vrai, on n'a pas donné de notes, j'avais oublié la note. Une note. On a un peu trop à noter, mais. Bah, Nighties, c'est pas qu'à commencer, je te laisse mettre la note. On fera une moyenne sinon, vas-y. Je mettrai une note de 7 sur 10. Bon, 7 sur 10 aussi, Stalas. Alors, moi je vais séparer en deux. Je vais dire pour les noobs, je mettrai 9. Et pour le reste de la saison, je mettrai 7. Ok, bon, je vais faire un espèce de 7-8, on mettra 7. 7,5, on peut mettre des virgules, tu sais. Oh, ouais, ouais, bon, 7,5 si tu veux. Ok, et donc nous allons passer à la dernière. Dernière web série. Diffusée aussi par Olivry. Depuis 3 décennies. Une entreprise à se convaincre super-héros et super-vilains de souscrire à un même idéal. Un idéal où les combats seraient gérés par contrat, où chaque défenseur du bien pourrait choisir sa némésis, et où les bénéfices générés par les activités héroïques seraient intelligemment répartis entre tous. Cette entreprise, nous la connaissons bien. C'est la Flanders Company. Youhou! Alors, la Flanders Company qui a fait comme Noob, à savoir balancer son, son épisode final à la Japan. J'étais pas présent, donc je crois que c'était le samedi. Le samedi ou le dimanche, oui. Je sais plus. Non, je crois que c'était le samedi, puisque moi j'ai vu le samedi. Je crois que j'ai vu le samedi soir, moi. Je crois, de mémoire. Alors, de quoi ça. Qu'est-ce que ça parle, la Flanders? Alors, comme a dit le docteur Fataluz, qui est. Le super vilain qui fait le docteur. Comment il s'appelle celui des 4 fantastiques? Fata. Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Alors. C'est une série qui a aussi pris son temps pour. Enfin, c'est une saison, pardon, qui a aussi pris son temps pour sortir, puisqu'elle a, elle a été débutée le 27 avril 2018. Que l'épisode final, du coup, est sorti il y a une ou deux semaines, donc on va dire mi-juillet pour. Ou il y a 75 ans, si vous écoutez cette émission vraiment dans très longtemps. On va dire mi-juillet 2019, qui est plus courte en termes d'épisodes, qui est plus court et de temps, qui est plus court que les noobs, parce qu'il ne dure que 13 épisodes. On y retrouve les persos principaux de la série depuis la saison 2, à savoir Caleb, Hippolyte, Cindy, Armand, Carla. Et les autres cons que je passe. Sans vouloir les vexer, bien entendu. Ne t'inquiète pas. Et donc, l'histoire, enfin, le petit résumé de la saison, c'est juste qu'en fait, la Flanders a finalement fini par couler parce que les super-héros et les super-vilains sont devenus des influenceurs, des influenceuses, en se mettant sur les réseaux sociaux et en fait, maintenant, ils font des placements de produits pour gagner leur vie. Ils utilisent leur marque, leur notoriété, on va dire. Merci, leur notoriété pour au service des marques et se faire de la thune dessus. Voilà, donc après Armand Truman, qui était le PDG de la Flanders, son but à lui, c'est de finalement retrouver la gloire passée que son père avait instaurée, je crois que c'était 30 ans avant, en oui, créant la Flanders. Et du coup, un de ses buts, c'est et du coup, pour faire ça, il va se dire, mais avant la Flanders, il n'y avait pas de règles. Et en fait, depuis la Flanders, on est tellement habitué à respecter les règles que même maintenant que le système s'est écroulé, on continue à respecter. Bon, ben en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réunir toute mon équipe qui sont à peu près des anciens super-vilains et puis je vais niquer les règles. Voilà. Et niquer les super-héros. Tant qu'à faire. Voilà, c'est ça son plan et c'est de ça dont parle la saison 9, qui est une saison. Saison 5. Oui, pardon, saison 5. Et on est que à la saison 5. J'attends plusieurs saisons de cette web série, c'est pour ça. Alors moi je trouve c'est d'accord. Moi c'est pareil, c'est une vieille série. Hein. Moi je crois que je l'ai découvert même avant les noobs. Après pour moi. Non moi c'est pas longtemps après mais après.
Moi, c'était avant. En plus de ça, on va quand même les remélanger, puisque, comme a dit Tipo, nous, la Flanders, à la base, avait sa propre chaîne YouTube, qui était la Flanders Company, mais qui a été supprimée, je crois. Et maintenant, ils sont effectivement diffusés sur Olydri. Et pour une raison aussi très simple, c'est que les acteurs de la Flanders sont aussi très liés aux acteurs de Noob. On retrouve beaucoup d'acteurs de Noob dans la Flanders, et on retrouve de temps en temps quelques caméos de la Flanders chez les Noobs. Il n'y avait pas un épisode... Ah non, je confonds. Par exemple, dans les Noobs, on retrouve Caleb, qui est le... Alors, dont l'acteur est aussi... Le scientifique un peu fou, on va dire. Voilà, dans la série de Flanders, c'est ça, c'est le scientifique un peu raté, qui est dans les Noobs un psychologue thérapeute familial qui va essayer de rapprocher Tenshirok de son fils Just Dead. Voilà, il y a des caméos comme ça, et inversement dans la Flanders, dans la saison 5, on retrouve Gaia chef d'entreprise Omega Gel qui joue le super-héros Thor. Oui, qui est très drôle d'ailleurs. Énorme, j'adore. Voilà. Sparadra qui joue Iron Man aussi. Non, c'est Tony Stark. Ouais, Tony Stark. Ouais, parce que. Et il y a Rafael Nadal. Ouais, celui-là, je me souviens pas, mais c'est pas grave. Mais voilà, en fait, la Flanders Company, bien entendu, pour des droits d'auteur et des choses comme ça, n'appelle pas leurs super vilains et leurs super héros par les noms qu'on connaît. Voilà, par exemple, le Docteur Fatalus, en fait, c'est le Docteur Fatalis. C'est le Docteur Fatalis dans les 4 Fantastiques. Voilà. Oui. Maintenant que tu le dis, c'est revenu. on a le droit à Dark Vador, qui s'appelle jamais Dark Vador, mais Anakin, parce que Dark Vador est un nom déposé par Lucas, alors que Anakin... Ah, non, Lucas. Par Lucas, alors que Anakin est un prénom, donc du coup ça pose moins de problèmes. On retrouve plein de super vilains, super méchants, donc du coup le nom est légèrement modifié. Plein de super vilains ou super héros qu'ils ont aussi créé eux-mêmes et qui sont bien la loose aussi. Voilà donc. Oh oui. Moi, surtout dans la chaîne finale. Il y en a un, franchement. Il faut regarder. Ouais. Voilà. Alors après, moi, cette série, je l'aime beaucoup parce qu'il y a énormément d'humour. Si jamais on est en plus un peu calé dans l'univers un peu geek du genre comics et manga, on y retrouve plein de références. C'est un peu comme les Noobs, ça veut dire que la première saison est très axée sur des rushs d'épisodes qui durent 2-3 minutes mais qui sont portés sur l'humour, et à partir de la saison 2 ils s'ouvrent un petit peu plus dans les histoires, et là depuis la saison 2 on peut clairement dire que les histoires vont de mieux en mieux, je trouve. Oui. Et surtout la saison 5, pour moi c'est la meilleure. Et la saison 5 est la meilleure, et alors le final, magnifique. C'est le bouquet final. Bah d'ailleurs, c'est moi. Feu d'artifice. Moi, c'est ce que j'ai mis en point positif comme en point négatif, c'est le final de la saison. En point positif parce qu'il est juste excellent, ouais, il m'a fait mourir de rire. Et en point négatif parce que du coup, ça annonce une saison 6 et qu'on va devoir attendre. Voilà. Je suis complètement d'accord. Voilà, moi de mon côté, j'ai pas grand chose à ajouter, à moins que vous me rappeliez quelque chose. Non, c'est juste génial. T'as pas un thé sur le feu ? De quoi ? T'as pas une bouilloire qui siffle ? Non, pas encore. Ah non, bon, on n'a rien à te rappeler, alors c'est bon. Merde ! Mais si, j'avais un train à prendre. Excusez-moi, je reviens. Tu vas échanger tes billets ? Non, je vais prendre mon train. Au revoir, tu alors. Je vais le prendre dans la gueule. Bon, bref, sur ce, une note ? Alors moi j'ai mis, je pense que la meilleure note de ce TARDIS, c'est 9 sur 10. Ouais, moi c'est... Ah, de celui-là, parce qu'on a déjà mis 10 sur 10. Oui, mais pour moi c'est 9 sur 10 pour la saison 5 et 10 sur 10 pour le final. D'ailleurs, s'il pouvait arrêter de jouer avec son argent, même si je sais que c'est un petit nain. J'ai pas d'argent, c'est faux. Ok, plutôt cool. Ouais, c'est ainsi qu'on termine cette émission de Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Donc je vous rappelle, on a parlé de Fruit Basket avec une note de 8 sur 10, l'animé. La Stranger Things avec une note de 8 sur 10. Mystère à Saint-Jacques de la Freshner avec une note de 6 sur 10.
Noobs avec une note de 7,5 sur 10. Noob. Noob. Oui, arrête de prononcer le S. Mais en fait, c'est parce que je vois marquer un S et que du coup, je dis ça. Et c'est parce que qui a rajouté ce S là? C'est pas moi, parce que moi, je suis noté. Voilà. Bien sûr, bien qui a rajouté ce S? Voilà. Noob avec une note de 7,5 sur 10. Et la Flanders Company avec une note de 9 sur 10. Et donc, avant de se quitter, juste, on va revenir un petit peu sur ce qu'on disait au début d'émission. Au mois de septembre, on va faire une émission spéciale sur les adaptations de séries. Avec notamment, on va notamment parler des Chevaliers du Zodiac de Senseïa, dont Netflix va faire une adaptation. Et dans ce cas-là, ça a beaucoup de choses à dire. Au moment de l'enregistrement, qui n'est pas encore sorti, qui sortira dans 3 jours, au moment où vous écoutez cette émission, si vous l'écoutez le vent, qui sera sorti hier. Donc j'aurai déjà commencé à regarder. Il aura déjà commencé à râler, vous imaginez pas tout ce qu'on va se prendre dans les dents. Help! Help! Voilà. Donc en fait, on va faire une émission spéciale. Donc lui, il parlera de ça. Nous, on n'a pas encore décidé, Nighties et moi, de quoi on allait parler. Mais on parlera aussi d'une adaptation sortie récemment ou plus vieille. Donc l'idée ce serait de la faire en live, donc il y aura sûrement si on la fait en live en tout cas, sinon ce sera une émission juste avec des critiques, mais si on la fait en live on mettra des petits jeux en plein milieu de l'émission pour essayer de faire participer, des petites pubs avec des musiques, enfin, des petites pubs vous drôles. Vous allez nous supporter pendant 4 heures Non 3 heures je pense, ce sera de 21h à minuit. Non je vais parler minuit, donc... C'est vrai, donc 4 heures. Donc on parlera de tout ça. Monte donc, encore. Si vous êtes vraiment intéressé d'ici à ce qu'on sorte l'émission, on vous aura proposé, je pense, sur les réseaux sociaux, nouvelles ou sur le site, de nouveaux objectifs. Sur le site et les réseaux, bien sûr, les 3 réseaux, bon, Facebook, en fait, Instagram et Twitter. Voilà. Donc, à dépasser pour qu'on fasse cette émission en live. Surtout d'avoir plus d'abonnés YouTube, parce que ça voudra dire qu'on a plus de monde qui nous écoute. Comme ça, on aura un minimum de personnes qui viendront écouter ce live. On aura un peu plus de YouTube money. Non, parce que la YouTube money, il va falloir avoir 200 abonnés, je crois. Donc, c'est pas pour tout de suite. Hein. Bon, de toute façon, on revient dans un an. On fait pas ça pour ça, de toute façon. Non. Non. Sinon, on aura arrêté depuis longtemps. Et du coup, on fera ce live-là. On essaiera de faire des trucs... des petits jeux, des petits quiz, des grosses critiques d'une demi-heure où on pourrait participer. On fera quelque chose pour pas que ce soit ennuyant. Je suis déjà en train de rechercher les musiques pour possiblement faire des pauses, parce que nous il nous faudra les pauses pour décompresser un minimum. Et boire un verre. Surtout un verre. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le dire, à nous faire savoir sur les réseaux, nous mettre des commentaires sous la vidéo, dans le site, etc. Que ça nous motive à aller plus le préparer, on va continuer à préparer. Et surtout, si jamais vous avez une idée, parce qu'on fera, je pense, pour terminer, la critique d'une adaptation choisie par le public, donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le faire parvenir, et on fera un sondage, je pense, d'ici le mois d'août. Au mois d'août, je pense, pour voir de ce dont on pourrait parler. Voilà, sur ce, moi j'ai rien à rajouter. Rien non plus, c'est parfait, ils ont tous envie de se taire, d'aller dormir. Donc on va terminer là tout de suite l'émission de Tarte à la rhubarbe dans la série. Et on se dit à dans 2 semaines pour Burger Games et dans 4 semaines pour le prochain Tarte à la rhubarbe devant l'incroyable série. Bonne soirée à tous, bonne nuit, bonne journée, et bon appétit, ou je ne sais quoi encore. Bonne nuit. Et à très bientôt. Oui. À très bientôt. À très vite. À très très vite. À très vite. Stop, petit peu. On a dit pas l'ASMR. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Après avoir lampé 10 tonnes de bière, un nain rond, ça titube. Hein? Mais un nain cube, c'est quoi donc? Au fait, est-ce que je peux intégrer votre équipage? Ouais, bien sûr. Who takes the Pandora car, takes the universe. Vocatrice Gaïa, vous êtes banni à vie d'horizon aquarelle. C'était Tarte à la rhubarbe dans d'incroyables séries sur Resto Geek. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur YouTube. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce sur la vidéo.
Si vous voulez télécharger le podcast, il suffit tout simplement d'aller sur resto-geek.com et de le télécharger. Et enfin, si vous ne voulez louper aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.